Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans notre nouvelle série, qui est plus vraiment nouvelle pour l'instant, mais bon, c'est Europa Universalis 4, la Ligue Celtique, en compagnie de Le Signe Noir et de Dame Ned. Salut à vous. Bonsoir tout le monde. Hello. Et on se retrouve en pleine guerre. Tout à fait. Et ça c'est bien. Ben oui. En fait, pour une série Europa, à la rigueur, tant qu'on n'a pas fait 15 épisodes, on peut dire qu'elle est nouvelle, non? Oui, on peut mourir à n'importe quel instant, quoi. Bah oui. Il suffirait que je regarde le Saint-Empire se vexe, qu'on est en train d'assiéger Liège, et boum, on décède, quoi. Ouais, par exemple. Il y a un peu de ça. Au hasard, quoi. Putain, mais il a tellement de forts, la Bourgogne, c'est n'importe quoi. Il a des forts sur tous ses terrains, quoi. Ouais. Ouais, j'avoue. Putain, là, il y a sa capitale, ensuite il y a un fort, ensuite il y a un fort, ensuite il y a un fort, ensuite il y a un autre fort. Il est en train de dessiéger des trucs, par contre. Ouais, mais voilà, Namur est tombé, on va lui mettre une tatane. On est à 80% de victoire, vous voulez que je regarde ce qu'on peut prendre? Bah oui. Tu peux, hein. Vu que la capitale bourgognaise vient de tomber, à mon avis... Parce que là, 81%... Tu veux peut-être taxer des thunes à la Bourgogne avant l'Anglais, non? Je pense que si on sent la Bourgogne, on doit avoir plus de 80% sur l'Angleterre, là. Bah en fait... Ah, pas tant que ça. Ouais, si. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sortir au fur et à mesure et se faire doubler, c'est ça le plan? Bah ouais. Je serais assez pour, ouais. La Hollande est en PLS. Moyen. C'est une stratégie qui marche bien en général. Alors, demandez la paix à la Bourgogne elle veut la paix. Elle paye des repas de guerre. Elle file pas 300 balles. Oh, prends la thune, au pire. Tu prendras les repas de guerre de l'anglais. 267. Elle file 267, voilà. Et puis on a des repas de guerre. Tu veux pas me filer le Nivernais? Ça m'étonnerait qu'il veut. Je peux filer quoi que ce soit. Non, c'est trop loin, je sais. Impossible de légitimer pour la Bretagne, ils disent. Oh, ouais, c'est trop loin. Bon, en plus, j'imagine même pas comment la France ferait la gueule. Si, je pourrais te filer la. Je peux te filer Zealand. Tu veux la Hollande? Ah ouais, tiens, la Hollande. Pourquoi c'est à moi, ce truc? Non, c'est occupé par Desmond. Ce serait pour toi, attention. Ouais, non, mais d'accord, mais je pourrais. Non, mais. J'ai pas. Sûr que tu puisses, du coup. En plus, ça sera dans le Saint-Empire, c'est une idée de merde. Ouais, ça sent l'idée de merde. Quoi. Non, je suis pas fan. Alors, ça va toujours ruiner la game, hein, après. Non, pas trop. Donc, du coup, je prends réparation de guerre et pognon, vous êtes d'accord? Ça va. Bah, y'aura que toi qui aura les réparations de guerre, mais je pense que t'en as besoin, donc fais-toi plaisir. Mais le pognon, par contre, ça veut dire que moi, sur les 260 balles, j'ai 20 balles. Ouais, je pense que tu toucheras plus quand vous pillerez l'Angleterre, à mon avis. Allez, parti pour plus, ça hein, déjà. Voire moins. Voilà, ah donc si, ah si, je suis beaucoup plus. La vache, je comprends pas pourquoi. Tant mieux. Ok, du coup je suis en exil. Alors, 99% sur l'Angleterre, ça fait plaisir. Le pontife de merde, pardon. Qu'est-ce que Rome est tombé? Rome est tombé, ah ouais bah putain, ça va être la fête. Alors, repas de guerre du pontife, 150 balles du pontife, qu'est-ce qu'on lui fait faire au pontife? On pourrait filer des trucs à Naples. Que j'allais dire, faut dire que Naples était bien calé hein, pour niquer l'état pontifical. Tu peux filer Rome à Naples histoire d'être sûr que l'Aragon non, explose. Non, je peux pas filer Rome. Ouais. Ah, ça m'étonne pas. Mais il peut pas, il a pas de revendique si. Il va pas en vouloir. Non, il a même pas de revendication. Bah, après, libérer le comte à Vénessin, mais je vois pas bien l'intérêt. De toute façon, si tu lui donnes rien, il va se faire défoncer par Florence derrière. Ouais, de toute façon, je file rien, j'ai pas filé en cône à Naples, on s'en fout, non? Bah, de toute façon, il a pas de revendication, il va même pas en vouloir, je pense. Si, il le veut, mais. Il l'a pris. Ah ouais. Je pense que franchement... Transfert de puissance commerciale éventuellement, mais ça fait quoi ça? Bah ça va te donner de la puissance commerciale sur le nœud de gêne quoi. Je sais pas si on est bien content avec ça. Ça va, c'est très ouais utile. Non, laissons tomber l'idée. Bon, je vais pareil, donc là, pognon et pas de guerre et puis c'est tout. Hop. Ouais, c'est bien, c'est propre. Merci, au revoir. Sur des alliés comme ça en plus, tu te fais pas d'expansion agressive. Alors il reste qui maintenant? Putain, il a perdu zéro homme le pontife quoi. Quel fainéant. Il reste Liège par contre. C'est marrant, ouais, le score a chuté. Je termine l'exil et... Ah non, moi je suis à 96%. Moi. Bah on ouais, était à 99. Donc. Ah oui, ah bah pardon. Bah je peux pas retourner à Liège en même temps, donc... Oula. Oui. Qu'est-ce qu'il bah, fait bah il y a des hommes, mais je suis en exil et je peux pas... participer à la baston, donc... Ils vont pas te taper de toute façon. Bah ça va, je suis 16 000, ils sont 7 000 quand même. Il y a peut-être un moyen où les troupes bretonnes vont réussir à faire quelque chose, quoi. Bah écoute... Peut-être pas, en fait. Hein. Bon, quand même. Jette l'air du Queen Amman dans la tronche. C'est clair. Fais les glisser avec du Queen Amman par terre. Fais jeter du beurre sous les pieds des chevaux là.
bon, 98%, hein, on va pas taxer... En plus salé, au moment où ils vont retomber avec les blessures, ça va piquer. On va pas taxer Liège, ça fait chier, non? Non, ouais, en plus on peut pas y aller, faudrait prendre des passages et tout, c'est relou. On est bien là. Alors. Amuse-toi bien. donc le gavage est possible. Bah oui. Donc le gavage, ça veut dire que je donne à la Bretagne Cornouailles, Devon, Somerset, Dorset. Ah oui, c'est propre. Je donne à Bibi, Gwynedd, Camartin, Glamorgan et Montgomery. Ah ouais, propre. Je donne à l'Écosse, le Lancashire, le Chester, le Derby et le Lincolnshire. Donc 4 provinces chacun. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Oui, c'est pas mal, 24. C'est pas mal. Au lieu du Lancashire, tu peux pas me donner le Leicester par hasard, histoire que je fasse un état. Mais sinon c'est pas... Il est où? Là? En dessous de Derby, ouais. C'est un état ça, bah, ça? Ouais, c'est Derby, Lincolnshire et Leicester. Leicester, bon. Ouais. C'est quoi cette merde? Et tant pis pour Lancashire, je le prendrai plus tard. Ok, bah si tu préfères dans cet ordre là, moi ça me dérange pas. Bon, c'est juste que ça me fait un état, au choix. Oui, bah écoute, alors attends. Non, je veux dire, pardon, t'enlèves Chester en fait. Tu prends Lancashire, Derby, Leicester. Donc j'enlève Chester. Bah oui, histoire que ça coupe pas le. Ouais, que ça fasse plus propre quoi. Voilà. Parfait. Bah écoute, on valide comme ça. Ça me va. C'est bon pour moi. Du coup, on peut prendre 48 du cas. Ouh, ça change tout. Ah, il a pas plus. Oh la vache. Non, on peut pas plus. Attends, on lui prend. On lui prend 12 provinces au mec. Je m'en fous. Non. Qu'il crache. Jusqu'à la mort. Ouais, bah jusqu'à la mort, c'est déjà le cas. Là, c'est parti. Et il s'excuse en sortant. Wouhou. Ouais. Desmond nous doit 23 points de faveur. Ouais, 20 pour ma part. Eh bah voilà, on est bien là. Et le colonialisme. Dans la foulée, c'est beau. Et c'est où? À Cadiz. Ah oh, putain, le droit de Gibraltar quoi. Fuck. Ah. Bon bah là l'Angleterre est quand même bien dans le mal. Je crois. Mais je crois. Bah, ouais. Je vois aucun moyen qui se relève là, hein, franchement. Ça va falloir faire une autre guerre pour terminer le Bordelais, faudra vraiment que je me foute à côté cette fois avant de déclencher la guerre quoi. Alors, on peut faire soutenir des rebelles, ouais, bon, c'est un peu pourri. On peut faire des revendications, allez, on va faire des revendications. Hop. Bon, parfait, ça. Vraiment parfait. Ouais, franchement, c'est propre. Est-ce que tu veux que je te refile Ulster Oui, je prends. Hein. Prends maintenant. Ouais, bah après, il me manquera que Fanny, ça, là, je peux pas faire grand-chose. Mais on n'y peut pas faire... Non, mais voilà, on peut pas y faire grand-chose, en effet. Pas tout de suite, en tout cas. Ouais, on va désarmer les forteresses, on s'en fout. Qui c'est qui gueule? Ah oui, putain, il y a des gens qui vont gueuler de l'autre côté de la Manche, du coup, forcément. Ouais, mais du coup, tu peux y aller, donc c'est moins grave. Ouais, c'est ça. Ah, ça coûte 10 en prestige, putain. Bâtard, quoi. Ah ouais. Ouais, on va, du coup, réarmer les bateaux, on va arrêter l'entraînement, et s'entraîner de l'autre côté, plutôt. Ah, tu me le vends? Bah ouais, donc ça me coûte 10 en prestige. Mais bon. Merci beaucoup. Bah, ça faisait partie du deal. Bon, par contre, c'est la tristesse, je suis que à 45% de démonstration de force quoi. Je pourrais insulter quelqu'un peut-être. Tiens, du coup j'ai. Dans le nœud de Lübeck. Ah ouais. Mission menée à bien, parfait. Il manque plus que le dernier truc et ce sera parfait. Bon alors par contre les clercs font la gueule, les nobles font la gueule parce qu'ils ont pas assez de territoire. Oui bah ça va venir les gars, mais pour l'instant. Pourquoi j'ai une. Ouais, pour d'accord. L'instant c'est pas possible. Hein. Une aptitude peut-être achetée, putain mais vous servez à rien les gens quoi. Pourquoi je réfléchis à quoi prendre, enfin franchement, n'importe quoi. Et l'Angleterre qui est en guerre contre la France. Défenseur, ouais bah il reconquise ouais putain la France va prendre ce qu'il reste. Ah je peux prendre l'Angleterre comme rival. Fais chier. Ah mais bah, pas que, ça. Je peux prendre exactement la Bretagne et l'Écosse aussi. Eh bien, fais donc. Faudra que je piétine la France pour récupérer le Bordelais, du coup. Ouais, mais non. Si, un jour, si, obligé. De quoi? Obligé.
piétiner la France. Je vous mettre en rival. Ah non, la France, piétiner la France. Ah, piétiner la France. Ouais. Un jour. Ouais, faut voir. Bon, déjà, l'Angleterre n'est plus une menace, et ça, ça fait super plaisir. Ouais, carrément. Les bateaux, vous allez vous détendre. Bah, d'autant qu'elle va se faire défoncer par la France, donc elle va être encore moins une menace, du coup. Ouais, la France, elle va se gaver, hein. Bourgogne, Angleterre, on a tout pété pour elle. Ça va être cadeau, quoi. Elle a plus qu'à se baisser pour cueillir, l'enfoiré. Bah oui, hein. Mes diplomates, ils servent à rien, là. C'est obligé, hein. Bon, qui on pourrait faire des revendications, des trucs. C'est un peu la Tresca, hein. L'indépendance du pays de Galles, ça fait mal quand même. Ah ouais, déjà il gueule quoi. Ah ouais, direct. Ah, tu me diras, moi aussi, hein, 60% déjà là, c'est la violence. Ouais, moi zéro. Ouais. Les mecs, ils l'ont vraiment vraiment mal vécu. Que pourtant, on est des libérateurs. Ouais, c'est clair, on est des mecs gentils quoi. Bah ouais. On est plutôt les good guys. On est des incompris. Une fois de plus. Ouais. L'anglais passe pour le gentil, on passe pour les méchants, quoi. Tresca, ouais. Bah, du coup, ça va être Tresca contre Tresca pour moi. Ça pète où, toi? Oh, pas assez, c'est plutôt global. Ouais, putain, c'est vrai que l'avantage avec Chester, c'est qu'on avait nos deux trucs reliés. J'ai pas pensé à ça. Ah. Sorry. Bah, un héritier, grave, putain, mais. Des bateaux. Et c'est où, tu m'as dit? Dans Pays de Galles? Partout au Pays de Galles. Ok. Putain, mais sérieux, mon héritier zéro en diplomatique, quoi. Il essaie de me troller le jeu. Let's go. Jean de Dreux, zéro, c'est vrai. C'est vrai qu'il est pas doué, quoi. Le mien, il s'appelle Turlug, putain. Turlug. Pas terrible comme prénom. Je suis condoléance, quoi, 4, franchement. 3-0-4, on en reparle de mon 1-0-1 ou... Ah, putain. Ah non, mais toi, c'est vrai, t'as raison, n'en parlons pas. Merci. Doctrine d'Explo. Est-ce que je prends un colon maintenant? Bon, de toute façon. Si je vais pouvoir explorer à un moment. D'ici que l'institution arrive, c'est le drame quoi. Elle est où l'institution? Elle est au 2-3 de Gibraltar. Ah oui, et puis étonnamment, je suis à 0%. Bah vaut peut-être mieux prendre la tech du coup, pendant que ça coûte pas la position. J'hésite limite à le déshériter, hein. Ça fait mal par contre. Ah oui, ça fait mal, ouais. En même temps, si tu déshérites pas un mec qui a zéro partout, je sais pas quand est-ce que tu déshérites, quoi. Exactement, donc je vais le faire tout de suite, hein. Et c'est fait. Je suis à moins 45 en prestige, mais j'ai plus d'héritier par contre. Peut-être pas une bonne idée ça, mais bon. Ah, t'as toujours 75 ans quoi. 55. Oh bah ça va. Ouais. Ah oui, il y a une succession contestée sur l'Écosse, ouais. Effectivement. À la mort du souverain, c'est Turlug Fitzgerald qui montera sur le trône? Non, car je rentrerai en guerre pour le trône. On va se battre pour le trône. Ça va partir en sucette, quoi. Ouais, j'aurais peut-être pas dû, en fait. Bah si, mais complètement. Oh, bah t'as le temps de faire un héritier encore. T'as bientôt tes mariages royaux et tout. Ouais, j'ai tout. Puis de toute façon, si t'es en union personnelle avec nous, bah on te libère, puis t'es plus en union personnelle avec nous. C'est ça. C'est vrai. Mais ça fait une tâche quand même. Voilà, Castille qui veut toujours pas me marier, par contre, c'est vraiment triste quoi. Je comprends pas. Alors que t'es allié? Ouais. Ah ouais. Elle veut pas se marier avec moi. Non, mais c'est pire, je suis allié. Elle veut pas se marier avec moi parce que elle a trop de relations diplomatiques. Mais c'est débile, que ça va pas. Mais oui, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Complètement con. Ça semble très con en effet. Tiens, je me demande ce qui se passe, que mes bateaux sont désarmés, que la province le siège tombe. Est-ce qu'ils sont coulés? Ah, je ne sais pas, je vais pas chercher à savoir. Oui, j'ai pas particulièrement envie de tester non plus, mais... Mais wow. Effectivement... Mon général... Le grand échange. 4-5-1-1. C'est bien. Ok. Ah ouais, pas mal. Putain. Cool. Bon, remarque, je dis ça, c'est un 6-2-1 le mien, mais... Ah ouais, Vous avez des gros... Attends, des années d'entraînement. Ah, je vois ça. Il y a moyen de tirer les pompes au Saint-Père de nouveau, en fait? Pas du tout. Tiens, c'est pas con, ça. Pour lui dire qu'on est désolé.
Mais non, mais en fait, c'était Naples, ils sont méchants. Oui. C'est qui le pape d'ailleurs? Bah, c'est un type. Ouais, mais j'ai du blé moi. Le mec il est surpris quoi. Putain, j'ai de l'argent. Attention quoi. Non, mais. On a tellement plus d'habitude. Je peux faire deux bâtiments, c'est cool. Bon, quoi, tu vois, on est à 60% de menaces pour l'instant. Je pense que c'est pas nécessaire de. Moi c'est 90%. A mon avis ça va péter. Bon, est-ce que j'attaque l'Angleterre en pétant la trêve juste pour prendre le bordel avec la France le fasse? Ah bah non. Et bah voilà, union personnelle. Quoi? Je crois. Hein? Non, à la mort du souverain. Ouais, quand Henri II de Russe. Mais quand tu vas mourir. Ah oui, mais c'est ce qu'on t'a dit tout à l'heure, c'est normal. Ouais, garde succession entre la Bretagne et le Danemark. Ouais. Bah voilà l'occasion qu'on attendait pour attaquer le Danemark. Ça tombe bien parce qu'il faut que je récupère un truc. C'est bah voilà, ravi de vous rendre service les gars. Mais non, mais de toute façon, mais t'as combien de mariages déjà? Non, mais j'en ai. Bah c'est un Dodreux là qui est mon roi. Non, mais t'as combien de mariages? Bah avec tous mes alliés. Ok. C'est-à-dire 4. Ouais, parce qu'il y a des chances que ça se débloque quand même. Ouais, t'as pas un mec. T'as pas de. Enfin, non, ton mec il est pas stérile ou quoi que ce soit donc. Non, non. Ah bah ça y est. Oh bah ouf. Ah voilà. Bah ça c'est bien, un bon 4, héritier. 4-3-3. Bah enfin. Voilà. Puis t'as une reine en plus. Non, t'as pas de reine? Si, t'as une reine. Ouais. 3-4-2. Et bah pour la peine, je vais l'appeler Victor. Mais fais donc, fais Victoria donc. Non, héritier Victor de Dreux. Ah. La reine Victor, ça fait un peu moche. La reine Victor, ce serait triste, ouais. J'avoue. Merde, on a oublié le Ya. Oh putain. Putain, mais les Alençonnais qui refont chier, mais vous déconnez, les mecs. Vous allez gentiment vous faire mettre, voilà. Ah non, y'a pas moyen. Le Danemark qui veut coûte que coûte garder l'Ophalie. Un truc de malade. Peut-être tout à l'heure, il va la vassaliser, l'assimiler, quoi. C'est bah, la grosse loose. Je vais avoir l'air d'un con, quoi. Ah putain. Là, je vais devenir pote avec la Moscovie en attendant, on va voir si on peut pas backstab tout ça tranquillement. Là. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas con, ça serait une possibilité. Ouais. C'est qui les rivaux du Danemark? La Moscovie dedans? Même pas quoi. Ah si, quand même. La Hongrie, l'Écosse. Oh. Ah ouais, l'Écosse. Ouais, l'Écosse, la Hongrie. La Mais Moscovie. À quel moment il y a une guerre de succession pour le Danemark s'il y a l'Écosse qui c'était rien en fait, si on lui déclarait la guerre en fait. Oui, ça se trouve, ça se passerait bien. Hein. Ouais, parce que je suis pas sûr que les forces du Danemark écossaises et suédoises, enfin norvégiennes et suédoises, elles débarqueraient en Écosse si facilement, quoi. Ils ont combien en troupes, ces cons? Et puis en bateau. Si on prend bah, les bateaux, derrière, on s'en fout, c'est eux qui viennent. Ouais, mais justement, enfin, pour qu'ils débarquent, il faut qu'ils aient des bateaux de transport. Genre, le Danemark, il a quoi? Il a 18 000 hommes. On peut prendre une tech? Non. La Suède, elle a 10 000 hommes. Donc ça fait 28. Et la Norvège, elle a 6 000. Ça fait 34. Et le Danemark, il a 11 navires de transport, donc de toute façon il débarquera pas à plus de 11 un coup, donc tu te fous devant, tu le défonces au fur et à mesure qu'il débarque. Quoi. Ouais, ça peut se faire. Hein. 32, et en sachant que nous on est 9. Hein. Peut-être juste attendre que les rébellions pètent, quoi, et puis... Ouais, voilà. Une fois qu'on a calmé les rébellions, moi je te proposerai éventuellement de déclarer la guerre. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Enracinement du protestantisme sur les états pontificaux. D'accord, très bien. Quoi? Il y a eu ça comme event national, enfin général. Ah enfin, mais d'accord, contre... donc on a le protestantisme qui a popé en plein milieu de bah, l'Empire. Faut croire, c'est ça. Ouais. Et le duc est malade, voyez-vous ça? Je vous ai suivi un peu de loin sur votre plan parce que j'avais plein de trucs qui apparaissaient, mais j'ai cru comprendre guerre Danemark, donc j'ai dit bon, bah d'accord. Oui, bah ça pourrait venir en fait. D'accord. Mais bon, déjà, faut que ça pète, quoi. T'es cuite, tout ça, ouais. Par contre, effectivement, faudrait que les choses pètent. Bah tiens, chez toi, ça a pété, déjà. Ouais, on va y aller. Et hop, c'est parti, les gars. Et rendez-moi fier. Un pape castillan a été élu. Wouhou. Oh, non. Non, si je veux développer un truc, il faut que je développe Dublin, non? Je pense, surtout. Ouais, ça me paraît pas une bonne mauvaise idée. D'ailleurs, t'as regardé, du coup, les doctrines, ce que ça donne? Ouais, elles sont bien, les doctrines irlandaises. Elles sont sympas, hein. Bon, de toute façon, on n'en est pas là, mais... Mieux que le Desmond? Je sais pas.
Parce que le Desmond, c'est vrai que c'est quand même pas dégueu non plus. Allez, on va aller à Lansonnet, calmer un peu le monde, là. J'ai aucun nœud commercial, en fait, en Irlande. On n'est pas emmerdé comme ça. Allez, comme ça, vous gueulerez si vous voulez gueuler, ce cadeau. Guerre Autriche-Hongrie, ok. Il y a des nobles ici ? Des personnes ici ? Autriche-Hongrie. Pour le Protestantin déjà ? Non. Juste comme ça pour c'est le faire. On perd des sous. Ah oui, tiens non. Bon bah les points, ouais, les points ça s'accumule, mais c'est pas tout ça, mais on peut peut-être l'enlever ce truc en 509, putain. C'est long. C'est bien bien long. 70%, toujours 13 000, putain. Ouais, moi je vais pas tarder de repartir parce que c'est à 50% pour 27 000. 27 000 ? Ouais, d'un coup, ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah ouais ? Ah, c'est la violence. Ça vient en de pop temps, violent. T'as fait une sacrée expansion quand même. Ouais. Quand tu regardes, bah on a tous fait des sacrées expansions. Oui, ouais, oui, ouais, quand c'est... même. On s'est quand même plutôt bien fait plaisir. On va prendre peut-être une cave, je suis pas sûr. Mais... Ah oui, d'ailleurs, je peux peut-être recruter des troupes là. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas. 9-2-2, c'est pas si mal. Ouais, c'est pas si mal. Bah, si ta portée de débordement, elle est de combien à cette époque-là ? C'est où c'est là ? Je sais pas trop. 0%, donc ça veut dire qu'elle est 2. Donc ça veut dire que tu peux mettre 2 caves de chaque côté. Donc tu peux prendre 4 caves. Plus, c'est pas intéressant. Mais bon, avec seulement 9 d'infanterie, 4 caves, c'est un peu chaud quoi. J'avais pas vu au cœur de la Lituanie la Galicie Volhynie qui a bien un petit peu blobé quand même. Ça me surprend. La Pologne reprend du. Ah non, c'est la Galicie. Ah oui, non, c'est la Galicie, t'as raison. Ouais. Je pensais que c'était la Pologne, mais non, c'est. Ah non, c'est la Galicie, Galicie, ouais. Ouais, elle j'ai déjà vu, bien. Mais. Elle s'est fait libérer, c'est pas possible. Oh, je pense. Oui, ouais. Bah oui, bien sûr. Et on a profité. Bon, il me faut des bateaux là. Faut arrêter les conneries, vraiment. Une barque. Allez, une barque. Hop, c'est parti. Une barque à Nantes. Bon, je repars. Ok. Bon, ça a un petit peu diminué, ils sont plus que 20 000. Bon, ça va. Ça y est, ça a pété là, chez vous ? Non, pas ça encore. monte à 60% là, donc je commence à m'inquiéter. Les séparatistes corniques. Ah oui. En Cornouailles, c'est les séparatistes corniques. Normal. Bah écoute, les séparatistes corniques, on va leur lâcher un peu d'autonomie, puis ça leur fera les pieds. Putain, j'ai 900 points militaires, ça va devenir le drame à un moment, là. Oh, j'ai plus de général, là. Ouais, les liens du sang. Allez hop, on va s'entraîner. Ah, bonus sanguin avec la Bretagne. Ouhou. Ah merde, va falloir payer l'armée. Voire recruter peut-être 1000 hommes. Tu peux te permettre ou t'as besoin d'aide ? Je pense que ça peut tenir. Ok. Si jamais tu te fais stack wipe, tu crieras fort. Ah bah de toute façon, si je me fais stack wipe, tu vas m'entendre crier fort. C'est le moment de vous mute, les gars ! Est-ce que non, je peux pas taxer du blé à quelqu'un bien se passer. Ouais. Ok, ça y est, ça a pété chez moi. Ils sont 13k, on va être 14k, pas de raison. Bon, j'ai plus de généraux par contre. En plus, on a la doctrine qui va bien, comme quoi on est balèze au niveau. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Même sans général, ça va le faire. Sans général ? Ouais, j'ai plus de points pour recruter, il vient de mourir. C'est moche, hein ? Ah ouais, la vache. Tu peux demander un ténoble ? Ouais, j'aurais pu. Bon, enfin, c'est toi qui vois. Hein. Bon, t'as gagné, quoi. Oui. Oh mon 21, ça serait sympa. Mais bon. Il faudrait qu'il s'allie à autre chose, au Fali, là. Une petite merde qu'on attaque dans le dos, quoi. Ouais. C'est super triste. Putain, je vais bientôt pouvoir prendre la quête du Nouveau Monde. Ah, mais attends, le Danemark est en guerre contre l'Ordre de Livonie et l'Ordre Teutonique. Ouais, mais. Oui. La quête du Nouveau Monde. Ouh. Mais bien, tu vas être le premier. C'est ça.
Ah, il est quand même pas super motivé, hein. Il est déjà à 50% de ne pas suivre une guerre contre la l'Ophalie. Et enfin, combien pour, combien contre, du coup, les 40-20. Ah ouais. On est pas loin du tout. Alors, il me faut un truc là, un explorateur. Ok, très bien, j'ai rattrapé le retard, on est à 8-8. C'est qui file des explorateurs? Il y a des gens qui filent des explorateurs ou faut payer? Je crois qu'il y a des gens qui filent des explorateurs, mais je sais plus c'est lesquels. Ah, les bourgeois ils donnent un amiral, mais pas un explorateur, c'est bien triste. Ah, ouais, c'est cette histoire. Oh putain, perte de vent, légitimité, bah oui, hein, écoute. Des missions au Nouveau Monde, ouais, bof. Hey, dis-moi, machin, que tu es 44-21, tout doucement, ça progresse, je vais peut-être pouvoir en profiter. Ah non, c'est marrant, je peux... du coup, là, c'est chiant. La culture anglaise est devenue plus présente que la culture écossaise, c'est moche. Ah. Non, va falloir que je paye mon explorateur, quoi, c'est triste. Ah bah nous on est très irlandais, a priori. Parce que moi j'ai irlandais et gallois, j'ai pas d'anglais, moi. Moi j'ai quand même 30% de normand, hein. Ça fait un paquet, quand même. Ouais. Ah ouais. Ah bah en même temps t'as Cotentin, ouais. Ouais, bah ouais, quand même. Les viewers normands, on précise. Bah. Surtout que certains parmi nous sont normands. C'est clair. Pas de nationalité. Enfin, pas de naissance, mais. Pas de nationalité. Normande. T'es pas nationalité normande, putain, je suis super déçu. Ouais, bah, je pense qu'en Bretagne, ils doivent déjà bien se revendiquer de nationalité bretonne, alors, hein, après tout. Allez, on adopte les régiments d'élite. Wouhou. Pourquoi pas. Perte de 1 stab, mais quelle bande de bâtards. Ah, c'est un peu triste. Ah, je pourrais prendre la tech, putain. Elle en est où, là? Elle avance pas, l'institution, là, putain. Oh, j'ai pas envie de payer. Le lever. Mais arrêtez avec vos conneries, putain, c'est tellement naze, le lever. J'avais oublié d'enlever mon dédit pour accroître la modernisation, c'est la tristesse. Est-ce qu'il serait rentable, cet état? Absolument pas. Bon, on peut déclarer la guerre à ces tocards ou pas du tout? Et la France, elle s'en tire pas, hein. Putain, il y a 9000 Anglais qui se baladent en France, quoi. Ah, non mais... Au c'est secours. Tu sais, il a même pas pris la peine d'aller prendre l'objectif de guerre, tu sais. Ah, je comprends pas. Tout à l'heure, je regarde de temps en temps et je comprends pas. Ah, 44-4, malheureusement, il est en train de gagner sa guerre, le gallois. On a un explorateur. Ah, putain. Explorer la mer des Caraïbes, allez, c'est parti. On déclin de l'innovation, on fait chier. Oh putain. Ah, c'est parce que la Pologne et la Lituanie sont rentrés dans la fête en fait. Ouais, bah je vais prendre les techs, hein, tant pis. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez là? À 5% à cause du colonialisme, est-ce que c'est intéressant de prendre la technologie militaire à moins 5? Du coup, ça me fait 0%. Ouais, c'est bien. Ouais. Je pense que c'est bien. En plus, il y a des nouvelles troupes. Pareil pour l'admin, ça me fait moins 5. En plus, t'as des nouvelles troupes derrière, donc bon. On va les prendre, on va complètement les prendre. Moi, c'est pareil, hein, là je suis à moins 5%, j'attends. J'attends de pouvoir les prendre. Je peux adopter une politique. Coût d'adoption des institutions plus 10%. Non, ça ira, merci. c'est gentil, mais non. Quelle idée de merde. C'est clair. Alors, des galonecs réformés, des lansquenets, des condottières. Ouais, non, les réformés, ils sont très très bien. Allez, c'est parti. Oui, du coup, je sais pas si vous m'avez conseillé des doctrines, mais on n'a pas encore eu les commentaires à l'heure du tournage, malheureusement, donc... Je la prendrai avec plaisir en suivant vos conseils. Bon, du coup, je suis triste, hein, l'état en Angleterre, il est pourrave à souhait. Pourquoi il est pourrave à souhait? Bah, il me rapporte 0,75, quoi. Je m'attendais à mieux de la part de l'anglais, on va dire. Ouais. Bon, il y a un petit peu de dévastation, vous me direz. Bah, et puis il doit y avoir pas mal de d'autonomie, quoi. Bah, ouais, là, 75 partout. Ah c'est ça. Ouais. Ah bah putain, le pays de Galles, je me plaignais de l'Irlande, c'est quand même pas beaucoup plus glorieux. Province à 3, province à 5, province à 3, province à 5. Ouh. Ah oui, effectivement. Ah putain. T'es content avec ça quoi. Je me demande si je me suis pas fait baiser dans cette... Oui. Bah attends, c'est pas des bosquets, c'est déjà pas mal. Bah oui, c'est des collines, on est content. Prendre de la hauteur, te poser, voir les voilà. Vues, tout ça. Tu peux voir par-dessus tes armes d'ici, quoi. C'est déjà pas mal. Tout à coup, c'est vachement mieux. Ah.
Bourgogne m'a rivalisé. Ah, la guerre est terminée, il a pas pris le Bordelais. Ah oui, il a pris Calais seulement. C'est parfait. Oh là là. C'est parfait, c'est parfait. Par contre, du coup, j'ai un casus belli sur la France. Ça, c'est une idée de merde. Ah. Qu'est-ce qu'il a fait le Français avec la Bourgogne? J'ai pas trop compris. Il a pris un seul truc? Non, il en a pris deux, je dirais. Non, il a pris l'Auxerrois, c'est sûr. Ah oui, il en a pris qu'un. Bah, peut-être qu'il voulait s'arrêter parce qu'il galérait. Hein. Ça fait tellement tâche le Nivernais là. Ah, mais c'est rentable de couper en deux. Hein. Il a dû se gaver en termes de thunes. Ah bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il a pris ni le Bordelais ni la Bourg. Hein. Ça, c'est très très ouais. Bon par contre. Ouais, c'est pas mal. C'est quand la trêve, ça s'arrête? En 1515. Oh, c'est propre ça. Bah oui. Bon, je termine une légitimation et puis je pense qu'on va pouvoir arrêter là l'épisode. Ouais, je suis assez d'accord. De nouveau. Oh putain, la gueule de l'État, putain, ça rapporte tellement rien. Ah ouais, non, mais je suis très déçu par l'Angleterre là. Ah, il y a une bataille à lancer juste. Ça y est, là. Ça a popé. Ah putain, le malus de terrain. Choc ouais, plus 5. Ah, c'est la violence en général quoi. Allez, mange. Steak tartare. La France a lancé son âge d'or. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur âge d'or? Ouais, ils le lancent bientôt, je trouve. Ouais, je trouve aussi, ouais. Enfin bref, de toute façon, pour l'instant, on va arrêter l'épisode. Je crois qu'on a assez joué pour cet épisode. Tout à fait, tout à fait. Donc du coup, merci à tous de nous avoir suivis. On espère que ça continue de vous plaire. N'hésitez pas d'aller voir sur la chaîne du Signe Noir sa perspective au niveau de l'expansion bretonne. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Allez, bye bye les gens. Salut à tous. À bientôt.